retrouve pour les astros du mois de mars et on est avec les poissons bienvenue à vous j'espère que vous allez bien euh, c'est un tirage général d'accord comme d'habitude donc euh, prenez ce qui résonne si ça ne résonne pas c'est que ça n'est pas pour vous vous pouvez aller voir votre ascendant votre signe lunaire je le dis à chaque fois mais c'est bien de répéter hein, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne euh, voilà donc euh, bah, écoutez euh, prenez ce qui résonne vraiment avec vous euh, si ça ne résonne pas, c'est que bah, voilà, c'est qu'il n'y a pas de message, pas d'inquiétude. Il peut y en avoir sur d'autres vidéos le mois prochain, euh, voilà, c'est pas c'est pas très grave. Euh, ceci dit, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, voilà, où là effectivement le tirage sera plus personnalisé et euh, plus adapté à votre situation personnelle. Euh, merci d'être là, merci de liker, de commenter, de partager. De vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la cloche, c'est gratuit. Donc euh, voilà. Et puis, euh, et puis voilà, puis on va y aller. Hein, euh, avec le tarot, déjà, et l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de mars. On a euh, le 5 de bâton, les amoureux, un arcane majeur important, euh, le 10 de bâton et l'as de coupe. Bon. Le mois de mars, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui démarre. Alors, ça peut être déjà un projet que vous avez mis en place, ça peut être quelque chose qui va démarrer, qui va prendre forme plus tard. L'as de coupe, ici, c'est vraiment un commencement. Euh, ça peut être une grossesse, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, voilà, quelque chose qui, qui est plaisant, qui est motivant, qui peut être une nouvelle passion, vous voyez. On est peut-être aussi dans la créativité avec l'as de coupe. Et on voit ici que par rapport à ça, eh bien, il y a une certaine, euh, une certaine lourdeur dans ce démarrage. Parce que peut-être qu'il y a un choix à faire. Les, la carte des amoureux signifie qu'effectivement, on va faire parler son cœur par rapport à, sa, à son mental, à son esprit. Euh, mais il y a certainement ici un choix à faire, un choix de cœur pour pouvoir démarrer quelque chose. Et on sent que ça peut être, pour certains en tout cas, compliqué. Parce qu'il y a peut-être une désorganisation, on sent qu'il y a un peu peut-être de la compétition. Ça peut être le fait d'être à plusieurs sur un poste, par exemple. On peut, on peut candidater, par exemple, pour un nouveau travail, et puis être plusieurs, être en sorte de compétition. Et on sent que pour vous, c'est difficile. Le 10 de bâton, c'est vraiment quelque chose qui est lourd à porter. Alors, ça peut être la décision qui est difficile à prendre, de commencer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que derrière vous avez l'ermite, parce que l'ermite va vous demander de prendre du recul, de réfléchir, euh, d'agir euh, euh, en étant sensé, en étant conscient de ce que vous <coughs> de ce que vous commencez. <coughs> Euh, et on voit que ça peut être compliqué, d'accord Au niveau... Voilà. Vous, comme si vous aviez du mal à laisser parler votre cœur et que le mental prend un peu le dessus. Euh, parce qu'on voit ici, il y a quand même derrière le 9 d'épée, on sent que c'est un peu difficile. Euh, et derrière, on a la lune. Hein. Donc, émotionnellement, ça peut être quelque chose qui euh, vous est vraiment difficile du style à en rêver la nuit, euh, à ne pas savoir quoi faire, comment faire. Ça peut être juste une compétition que vous avez hein, euh, entre plusieurs personnes ou le fait de démarrer un projet, d'être désorganisé, de ne pas savoir dans quelle direction vous allez aller. Vous voyez ce qui vous parle le plus. Mais en tout cas, ici, il y a une décision à prendre pour pouvoir alléger quelque chose, un fardeau. Peut-être que vous envisagez de démarrer un projet et que pour l'instant, il vous paraît difficile parce que on, 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 on se bat intérieurement aussi peut-être ben, contre soi-même hein, parce qu'on a on a des peurs, on a, euh, on a euh, des difficultés, des obstacles extérieurs, hein, ça peut être des obstacles financiers, ça peut être des obstacles Relationnel, voilà, je parlais de compétition tout à l'heure, mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui, qui est difficile, difficile à mettre en place, qu'il va falloir, et eh bien, peut-être lâcher des choses. Peut-être que pour certains, ça signifie simplement que dans le cadre d'un nouveau projet, eh bien, il va falloir déléguer, tout simplement, parce que vous prenez, euh, vous prenez à charge trop de choses et ça finit par vraiment vous peser et si. si ça a fait le contraire de ce que vous voulez, ça vous désorganise. Donc il y a peut-être ici le besoin de, de choisir euh, la délégation. J'entends qu'il y a peut-être des personnes qui ont envie de tout faire eux-mêmes, peut-être pour se prouver quelque chose ou peut-être pour euh, s'affirmer. Bon, c'est la carte de la faux qui me fait penser à ça. Mais. Euh, on sent qu'il y a peut-être un. Ça peut être quelque chose, une charge qui peut être trop lourde. Et avoir le besoin, ou en tout cas la sagesse, de déléguer pour vous éviter, ensuite, peut-être, des cauchemars, euh, une espèce de burn-out, voyez, euh, ouais, ou le fait d'être. On, on sent effrayé hein, par, euh, par la suite, par ce démarrage. Bon. Ça peut être le fait d'être installé dans un nouveau travail qui fait que bah, vous vous sentez un petit peu. Euh, pff, euh, désorienté, hein, tout simplement, parce que bah, il y a une charge de travail qui est un peu euh, compliquée. Il faut, que vous, euh, il faut faut réapprendre des choses, il faut, euh, il faut donner de sa personne et ça peut vous paraître un peu lourd ici, même si c'est quelque chose que vous aimez faire. Euh, dans une relation, ça peut être, euh, ça peut être la nouveauté, justement une nouvelle relation, le fait d'être en conflit intérieur. Euh, bah, voilà, parce qu'on a, on a peut-être du mal à se projeter dans cette relation, peut-être une histoire de confiance, c'est nouveau, il y a de la passion, il y a, il y a une envie aussi d'y aller, et puis finalement, euh, bah, il y a peut-être un poids du passé encore qui est là, dont vous devez vous décharger pour reprendre confiance en vous et reprendre confiance peut-être aussi en l'autre. On ira voir tout à l'heure. Bon, euh, en tout cas, ici, avec, on a cette énergie-là, en tout cas, qui vous accompagne pendant ce mois de, de mars. Avec le le normand, euh, on voit bien encore une fois qu'il y a une décision à prendre. La carte des amoureux, on a une décision. Euh, la carte des chiens peut signifier qu'effectivement, il va rester fidèle à ce que vous... à vous, à, à vos valeurs, à ce que vous voulez pour vous. Parce qu'ici, il peut y avoir une, quelque chose de... une nouvelle opportunité. Ou peut-être que vous commencez quelque chose. Hein, le, le trèfle, c'est aussi le commencement. C'est quelque chose peut-être d'imprévu qui rentre dans votre vie. Ça peut être une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, voyez, mais en tout cas, il y aura certainement une décision à prendre. Au niveau du développement personnel, on sent que vous devez trancher, vous devez vous affirmer peut-être aussi hein, pour pouvoir prendre une décision. Euh, en tout cas, euh, me semble faire le ménage intérieurement, et là, on est dans le, dans le 5 de bâton, on se bataille un petit peu contre soi-même. Euh, parce que émotionnellement ça peut être un peu compliqué. On va recouvrir, on va aller voir. Euh... Ici, il peut y avoir à trancher, à prendre une décision par rapport effectivement à quelque chose de plus concret, de matériel. Euh... Vous avez peut-être l'opportunité de vendre une maison, d'aller habiter ailleurs, de déménager. Euh, en rapport effectivement avec un bien immobilier, il y a souvent une décision à prendre ici. On peut avoir de l'aide hein, concernant cette prise de décision, soit sur le, la prise de décision, soit pour vous aider à couper avec. Euh... Alors, couper avec un bien immobilier, c'est pas vraiment le terme. C'est plutôt euh, le, le fait de se séparer peut-être d'une maison qui vous tient euh, à cœur. Vous voyez, on peut avoir ici. Euh, euh, l'occasion l'opportunité de se séparer d'une maison émotionnellement ça peut être un peu compliqué donc de prendre du recul pour euh, voir comment faire euh, peut-être prendre des conseils aussi auprès des amis auprès de d'une de quelqu'un peut-être d'assermenté aussi voilà ça peut être euh, euh, un notaire ça peut être euh, un conseiller un conseiller bancaire par exemple oui. ici il y a peut-être euh, une personne comme ça qui va venir vous, vous coacher un peu pour cette problématique de immobilière. Ça peut être un agent aussi, un agent immobilier, tout simplement. Avec la carte de la, de la tour, effectivement, on est dans l'entreprise, l'administration peut-être aussi. En tout cas, il y a une opportunité, je dirais, d'avancer. Une opportunité de stabilité. Ici, on parle peut-être aussi du côté relationnel. Alors, je ne vais pas trop l'aborder parce qu'on va, y, on va aller voir ici, mais ça ressort quand même hein, parce qu'on a la carte de l'homme derrière. Donc, il y a peut-être ici euh, une posture à adopter par rapport à une relation. Euh, il y a certainement ici le fait de s'affirmer par rapport à une problématique de couple. Peut-être par rapport à l'engagement, peut-être par rapport à l'ancrage de la relation, c'est possible. Ou peut-être en rapport avec un bien immobilier. Ça, c'est possible. Il y a certainement une décision à prendre. Il peut, par exemple, on peut par exemple avoir l'opportunité ou oui, d'habiter ensemble. Vous voyez, ça peut être cette, ce genre de problème. Et de, de, de trancher par rapport à une maison, par rapport à un lieu de vie. Ça peut être ça. On prend conseil, on a besoin de s'affirmer. On a besoin de rester fidèle à soi-même aussi, hein, de, de rester fidèle à ce que l'on veut. Il y a certainement une problématique peut-être d'environnement, de, euh, de locatif, de location par rapport à, euh, à un couple, à, par rapport à une relation. Habiter chez qui Chez l'un, chez l'autre. Moi j'habite chez toi ou tu habites chez moi euh, on on, on s'installe dans une maison différente qui n'est pas à toi ni à moi, une nouvelle maison pour nous deux. Vous voyez, c'est un peu ce, ce que je ressens ici. Euh, en tout cas, on parle d'ancrage. On parle, parle peut-être de s'isoler aussi avec la carte de la, de la tour, une sorte d'isolement, peut-être pour pouvoir prendre cette décision. Euh... Il y a en tout cas quelque chose peut-être qui va venir vous percuter, qui va venir euh, euh, faire comme une proposition et, et vous obliger à quelque part à soit vous affirmer, soit trancher, soit faire le ménage, soit prendre une décision, rester fidèle à ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça que ça peut vous paraître un peu compliqué ici. Euh... On va recouvrir, on va aller voir. Hein. Pour le professionnel, j'entends pas grand-chose pour l'instant. Euh, peut-être effectivement, il y a une notion de euh, de choix par rapport à peut-être une notion de distance. C'est possible. Entre la maison, l'entreprise. Voilà, ça peut. On va voir, on va, on va aller voir avec l'autre jeu pour voir ce qui se, ce qui se passe. Hum, bon. Ça peut être totalement financier. Hein. Ici, on a vraiment le côté euh, avec les poissons. On peut améliorer la situation grâce à la vente d'une maison, grâce au fait d'emménager ensemble, grâce peut-être euh, et peut-être une question de rémunération par rapport à une distance euh, entre l'entreprise et, et votre lieu d'habitation, c'est possible, ou peut-être une délocalisation. On va voir. Alors sur la carte de la femme. On a la maison. <laughs> Alors la carte de la femme peut représenter vous représenter bien sûr homme ou femme un hein, peu importe, mais peut aussi représenter l'énergie féminine. Hein. Et là on va aborder tout ce qui est bienveillance douceur envers vous-même, euh, votre capacité à, à donner euh, le cœur. Hein. Ici on est vraiment euh, et le cœur ressort ici aussi. Donc il y a vraiment ici ce, cette énergie qui vous accompagne. Vous voyez, pour certains, il y a vraiment une notion de lâcher un lieu de vie, euh, de transformer une situation aussi. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait, bon, ça, ça paraît plutôt bénéfique. Hein. Il y a une transformation intérieure pour certaines ou certains, parce que femme ou homme, un peu importe. Euh, une transformation bénéfique, je dirais. Il y a le fait peut-être d'éclaircir une situation intérieure, encore une fois, d'avoir une espèce de déclic, de compréhension qui va permettre cette transformation, qui va permettre peut-être de faire un choix. C'est comme si, en fait, on va, on va, on va voir ce qu'il y a sur ce trèfle, hein, mais <coughs> vous avez l'opportunité de changer quelque chose dans votre vie, où c'est en cours, où c'est déjà fait, et avoir la difficulté justement de choisir. Ça peut paraître assez lourd, euh, par exemple, de quitter un endroit de vie où vous y êtes depuis un petit moment pour aller habiter avec votre autre, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être un peu compliqué. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même une transformation qui peut être bénéfique ici et certainement une prise de conscience de ce changement. Ça, ça crée en même temps un changement intérieur ici. Et ça bataille dure hein, quand même. Avec le 5 de bâton, on sent que cette nouvelle possibilité qui rentre dans votre vie, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, euh, ben ça ça bataille dans votre tête. Hein. Et puis peut-être qu'il peut y avoir ici une sorte de compétition, hein, alors que ce soit au niveau professionnel, ou une compétition pour euh, au niveau d'un bien immobilier. On est plusieurs sur le sur le sur l'affaire, hein, ça s'appelle ça aussi. Mais en tout cas ici, il y a vraiment ce côté... Euh, euh, transformation qui choix à faire en tout cas pour transformer les choses. Alors sur cette faute, sur cette euh, sur le fait de trancher ou de décider. Vous voyez, il y a peut-être ici une décision par rapport à un voyage, par rapport à un départ, à un déplacement. Alors, on a l'encre et le cavalier, donc ça suggère vraiment un déplacement et pour moi, il y a un côté officiel à hein, l'histoire. On peut avoir des nouvelles concernant euh, des nouvelles officielles hein, concernant un déménagement, parce qu'on a quand même la carte de la maison, concernant un déplacement, concernant le fait de peut-être quitter quelque chose aussi. C'est possible. On peut quitter, alors, on peut quitter une maison, on peut quitter une entreprise pour aller dans une autre entreprise. Il y a ici en tout cas une possibilité on avance quoi qu'il en soit on avance on a des nouvelles ça peut être des nouvelles juridiques ici par rapport à cette à ce chien qui peut représenter une personne assermentée hein, ici avec le lys donc il peut y avoir eu une décision de justice aussi peut-être par rapport à une maison euh, peut-être par rapport aussi à ça peut être une euh, par rapport à un travail, il peut y avoir, euh, vous pouvez travailler dans le domaine administratif, domaine juridique, et puis euh, avoir besoin d'en de, partir ou peut-être de vous déplacer à l'intérieur de, de ce travail. Ça peut être aussi euh, le fait de quitter un travail, et là par une voie plutôt administrative, plutôt juridique aussi. Ça veut dire, euh, bah, ça peut être un licenciement, ça peut être une démission, ça peut être, euh, voilà. Oui, donc on sent ici qu'il y a quand même une décision à prendre à ce niveau-là. Alors sur la carte de la maison, bon on a la faux, hein. d'accord, ça, 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 ça se répond en fait. Hein. Donc il y a bien ici quelque chose qui se coupe, quelque, quelque chose que, qui, qui prend effet. Ça peut être un verdict sur une maison, on peut avoir ici euh, comment on appelle ça Une liquidation liquidation judiciaire par rapport peut-être à une auto entreprise, euh, par rapport à, à une maison, on, on, peut-être une comment elle, je sais pas comment on appelle ça, euh, je sais plus le terme. Vous savez quand on a on a une maison, on peut pas on peut plus euh, on peut plus la payer et du coup on est obligé de la vendre. Une saisie, voilà ça peut être par rapport à une saisie, quelque chose comme ça. ou tout simplement prendre la décision euh, voilà, de, de, de lâcher un endroit de vie, euh, euh, d'aller habiter ailleurs, hein, tout simplement, ça peut être ça. Il y a aussi le fait que la maison représente votre intériorité, et là on va être dans le fait de s'affirmer. Hein, euh, hein. On peut ici avoir une espèce... Encore une fois, je reviens sur la compétition professionnelle parce qu'ici, il peut y avoir une problématique assez angoissante, assez stressante autour de, autour de la profession, autour du travail et de devoir s'affirmer ici. C'est possible. Euh... C'est drôle, hein enfin, je, 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 je mets ces deux cartes côte à côte et, et on, on a l'impression un, un peu que les souris complotent un peu contre le renard. Vous voyez, c'est un petit peu cette ambiance-là que je, je ressens. Comme si vous vous sentiez un petit peu mis à l'écart au travail, comme si vous aviez cette impression de complot contre vous. Euh, bon, voilà, c'est un peu ce que je ressens. Donc il va falloir s'affirmer par rapport à ça. Ça peut provoquer effectivement une certaine lourdeur, euh, ça peut être difficile à supporter pour vous. Hein voilà. Et tout ça bien sûr dans le but, enfin euh, pas dans le but mais dans, dans le cadre d'un nouveau commencement. Hein, voilà, si vous entamez un nouveau travail, si euh, ça peut vous pousser aussi à aller vers autre chose. Alors sur ce trèfle, voyons voir. Alors on a la montagne. Je vais prendre celles qui se sont retournées. Euh, bon. Alors il peut y avoir des... Le trèfle, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Hein. Ça peut être, euh, Alors, d'ordinaire, c'est plutôt bénéfique. Mais effectivement, ici, il peut y avoir eu des conflits ou des disputes ou des choses qui, vous... qui ont bloqué une situation. Ça peut être à propos d'une maison, ça peut être à propos d'un travail, ça peut être à propos de, de finances hein, aussi. Euh, on sent que ça vous a fait douter. Il peut y avoir eu euh, des tensions par rapport à ça. D'accord Et alors, la carte du trèfle, c'est une carte qui est très positive par rapport à toutes celles que j'ai dans les mains. On sent que peut-être vous avez la possibilité d'améliorer la situation. Pour moi, je le prends comme ça. Euh, vous êtes, vous aviez peut-être été bloqué dernièrement à cause de disputes, à cause vous n'étiez pas d'accord sur sur un projet, vous n'étiez pas d'accord sur un déménagement, sur une maison, sur euh, sur une entreprise, sur un, un projet personnel. Peut-être dans le cadre de l'entreprise, vous n'étiez pas d'accord non plus. ça n'était pas en rapport avec vos valeurs. Donc non seulement on vous dit, affirmez-vous, hein, affirmez vos valeurs, affirmez ce que vous êtes, faites-vous confiance. Et ensuite, on vous dit que ça, ça, ça s'améliore. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau relationnel, ici, on voit bien qu'il y a une amélioration. Euh, il y a un déclencheur ici qui va permettre cette amélioration. Ça peut être une aide extérieure qui vient vous apporter un petit coup de pouce. Vous savez, peut-être, vous savez, c'est un peu, euh, bon, ça fait un peu, un peu film, ça, mais euh, c'est, c'est comme euh, vous êtes dans une entreprise, euh, ça se passe pas super bien, et puis, bah, vous avez un allié qui n'est pas forcément celui auquel vous pensez, vous pensez. Vous voyez, ça peut être ça, ici, cet ami, euh, voilà, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, en fait, à régler une sorte de tension. Euh, dans, dans, dans une entreprise, ça peut être une aide extérieure du style un conseil pour vous aider. Ça peut être un conseil, un conseiller euh, euh, matrimonial par exemple si vous avez des soucis dans votre relation de couple. Ça peut être ça aussi. Euh, ça peut être euh, euh, un conseil juridique ici pour vous aider à vendre votre bien. Ça peut, être, alors ça peut être votre bien, mais ça peut être le bien aussi familial, un bien qui vous tient à cœur. Oui, ça peut être ça. Il peut y avoir ici peut-être un notaire qui vienne vous apporter un conseil ou peut-être vous aider à... Un agent immobilier qui vienne vous aider à vendre la maison. On parle quand même de financier ici avec les poissons. Hein. En tout cas, émotionnellement, on sent que ça peut... Ça peut être dur. Ici, avec le 10 de bâton, on sent qu'on va lâcher un fardeau. Hein. C'est quelque chose qui est lourd à porter. Donc forcément, il y a peut-être par rapport à, au fait de lâcher quelque chose qui est difficile à porter, il y a certainement une, une désorganisation. Il va falloir trouver des stratagèmes pour pouvoir aller démarrer autre chose. D'accord Ça, c'est possible aussi. Ça peut être votre autre hein, qui vient ici euh, vous soutenir dans, euh, dans un combat personnel. Euh, mettons euh, ça peut être euh, votre partenaire de vie qui est un soutien par rapport à votre vie professionnelle. Vous rentrez le soir on sent que bah, il, y a, il y a un accompagnement ici euh, bienveillant euh, par rapport à, à, vo à vos difficultés que vous pouvez rencontrer au travail ouais. c'est quelqu'un qui ça, ça peut être effectivement quelqu'un ça peut être votre partenaire de vie même si c'est marqué consultant pour moi et ça peut être votre partenaire de vie. Euh, J'entends plusieurs choses. Hein. Ça peut être euh, euh, un patron d'entreprise aussi, euh, qui vienne vous aider à, à démarrer, voyez, qui vous apporte une aide ici pour, euh, pour dépasser un petit peu ce, cette désorganisation. Voilà, c est, c est, pour moi, c'est une aide ici bienveillante. Ça, ça vous aide en fait à reprendre confiance en vous. L'aide que vous recevez ici peut vous aider à reprendre confiance en vous et évidemment à progresser. Donc voyez ce que ça peut être comme aide. Hein, encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais on sent que ça vous aide à, à commencer quelque chose et à progresser. Il euh, y a une reprise de confiance en vous là ici. Il y a le fait de de vous sentir un peu, de vous sentir à votre place, de progresser par rapport à ça. Donc, notamment s'il y a de la compétition, par exemple, par rapport au milieu professionnel, on sent que voilà, ça vous avez ici euh, un accompagnement pour vous aider à, à trouver votre place. Euh, si c'est euh, par rapport à la vente d'une maison, bah, vous allez avoir ici l'aide, je sais pas, d'un agent immobilier, d'un notaire qui va vous aider à vendre la maison. Euh, si c'est à l'intérieur de votre foyer, on sent bien que peut-être il y a du stress qui est peut-être dû à la. À... Alors, ça peut être dû au professionnel, ça peut être dû aussi à un manque d'argent. À, à des finances un peu difficiles, un peu lourdes, on a du mal à s'organiser pour le foyer. Et là, on a un, ac un accompagnement euh, de votre partenaire, oui, un soutien. Alors, sur le cœur. Bon, le conjoint est là, hein, d'accord? Bon, euh, vous inversez les polarités, peu importe ici. Hein. Mais on sent bien ici qu'il y a un soutien, qu'il y a une unité, hein, qu'il y a une harmonie dans le couple. Voilà, on, on progresse, on, on avance ici ensemble. Hein, voilà, on, on a ce soutien en tout cas qui est là. Euh, on peut ici avoir euh, un engagement avec une relation virtuelle, c'est possible, ou un lien d'âme, vous prenez ce qui, ce qui résonne avec vous, euh, notamment dans euh, le fait d'aller euh, construire quelque chose ensemble, Voilà, un lieu de vie ensemble, un foyer ensemble. Ici, on sent que vous avez peut-être cette opportunité-là, que ça vous demande réflexion, Voilà, ça vous demande de, ben, de vous organiser, ça vous demande de, peut-être de lâcher quelque chose qui est encore lourd à porter, et effectivement de faire un choix par euh, en écoutant votre cœur. Voilà. Le choix que vous aurez à faire ce mois-ci, je pense qu'il il va vraiment falloir prendre un peu de recul et euh, écouter votre cœur par rapport à ça. Pour vous organiser mieux, pour prendre la décision, euh, pour euh, lâcher quelque chose hein, qui est trop lourd, ça peut être, une, je vous l'ai dit, hein, ça peut être une maison ça, que vous aimez bien, ça peut être euh, se réorganiser dans dans un travail vous ne vous sentez pas à votre place, il y a de... et là vous vous réorganisez en délégant, voilà, et vous avez de l'aide par rapport à ça. Vous voyez, on a le soutien de son, son partenaire de vie. Euh, bon, ça peut être tout ça, tout ça ensemble ou séparément, vous prenez le message qui vous va. Euh, on peut avoir de l'aide pour la vente de quelque chose, d'un bien immobilier par exemple, pour déménager, pour aller en trouver un autre. Voilà c'est tout c'est de toute façon il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau que vous allez commencer au mois de mars ou que vous êtes déjà en train de commencer et il va falloir s'organiser, il va falloir lâcher peut-être ce qui est trop difficile déléguer ça veut dire peut-être aller chercher de l'aide tout simplement parce que le fardeau est trop lourd à porter pour vous tout seul et il va falloir aller chercher cette aide nécessaire que ce soit par rapport à votre partenaire de vie que ce soit par rapport à une, une personne assermentée, un, un dirigeant d'entreprise, un patron, un, euh, un notaire, un agent immobilier, peu importe. Ici, on va essayer de déléguer, de se faire aider pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un peu le message de, de ce mois de mars. Ne prenez pas tout sur vos épaules, d'accord, parce que bah, c'est trop lourd, tout simplement. Donc, on, vous avez une capacité hein, de résistance. Euh, vous avez une certaine force en vous, certes, mais elle a ses limites. Et quand on atteint la limite, ben, plutôt que d'insister, il, va, il vaut mieux déléguer il vaut mieux euh, se faire aider euh, se partager euh, pour pouvoir ici aller beaucoup plus loin. Voilà. Euh, bon, on dit toujours qu'ensemble on est plus fort et on va plus loin. D'accord Bon, C'est un, un peu la phrase de, de, de ce mois de mars. On va voir le côté relationnel. Bon alors, effectivement, ici, au niveau relationnel, on est aussi dans le nouveau départ. D'accord Avec la, la carte du départ. Et le coup de foudre, surtout. Donc il y a certainement ici quelque chose qui démarre. Si c'est pour un célibataire, il peut y avoir une nouvelle rencontre dans ce courant du mois de mars. <laughs> Pardon. Il peut y avoir, si c'est en couple, il peut y avoir un projet commun dans un couple qui démarre. On parlait tout à l'heure d'emménager ensemble, voilà, ça ressort. Euh... Il y a en tout cas quelque chose. Le coup de foudre, c'est quelque chose d'inattendu. C'est comme la carte du trèfle quelque part. Donc il y a peut-être ici quelque chose qui provoque un départ, hein, qui provoque ce nouveau départ. On sent que c'est fragile. On sent que quelque part vous êtes encore fragile. Peut-être qu'il y a ici des peines, des souffrances du passé qui sont encore présentes et qui vous ont, qui vous euh, ralentissent ou qui sont comme euh, ce disent de bâton, hein, un fardeau à porter et que c'est compliqué de le lâcher. Euh, ici on, on a le fait de, de prendre ce nouveau départ en essayant de lâcher un peu euh, ce mental parce que le mental est bien présent, on sent que vous, vous travaillez sur ce nouveau départ. Euh, comment faire est ce que j'ai raison d'y aller est ce que euh, est ce que c'est la bonne personne est ce que c'est pas la bonne personne est ce que' il va pas me faire souffrir est ce que euh, euh, est ce que le projet qu'on met ensemble va réussir vous voyez enfin c'est toutes ces questions qu'on peut se poser parce que le mental est présent et qu'il est là pour nous rappeler les peurs donc euh, on sent que vous êtes fragile dans ce mois de mars relationnellement parlant en rapport avec quelque chose qui démarre euh, ça peut vraiment être en rapport à, avec l'engagement, euh, une nouvelle relation, moi ouais, quelque chose qui, qui implique effectivement l'autre. Alors, ce que j'entends, c'est effectivement le côté fidélité, peut-être qu'il y a la peur de la trahison ici, hein, qui, qui est sous-jacente. Parce que ben, on réfléchit, on pense à, euh, à, à se dire ah ouais mais bon si j'emménage avec lui j'ai plus rien, euh, j'ai j'ai plus euh, j'ai plus mon attache à moi et je prends un risque, je saute dans le vide et ça va peut-être euh, pas marcher. Enfin vous voyez ça c'est votre ego qui parle. Ensuite ici on, on voit qu'il y a quand même une possibilité d'harmonie, hein, de de il y a, il y a de l'amour donc il y a cette possibilité de réussir en fait. Euh le projet que vous mettez en place soit la nouvelle relation soit soit le nouveau projet d'emménagement ensemble soit un, un voyage pourquoi pas après tout vous avez peut-être l'opportunité ici d'entreprendre un voyage euh, ensemble euh, et ça peut effectivement euh, ici il euh, y a une notion de, de partage de de soutien aussi avec la carte de la tendresse vous voyez on voit ces tours ce qui soutient l'autre voilà il y a une notion de faire les choses ensemble euh, d'avoir la même part dans, dans dans un projet dans ce nouveau départ et ça peut être ça qui fait peur en fait c'est de savoir est-ce que je vais donner est-ce que j'ai plus donné euh, que recevoir ou est-ce que c'est l'inverse aussi ça peut être aussi l'inverse euh, et d'où ici cette carte où, au début je vous disais cette énergie où on avait l'impression de euh, que vous deviez déléguer quelque chose et pour moi il y a une notion de partage ici de d'oser peut-être en parler, de de rester déjà fidèle à vous-même et puis de d'être de, dans dans le dans le don, dans dans le partage de du donner le recevoir la même chose, voyez Il y a ici une petite problématique à ce niveau-là comme si c'était quelque chose que vous aviez déjà fait par le passé qui n'avait pas marché, vous avez donné beaucoup et vous n'avez pas reçu à égal et du coup, euh, bah là ici, on sent qu'il y a une petite peur à ce niveau-là, et c'est ce qui vous ralentit pour prendre ce nouveau départ. C'est ce qui pourrait vous faire peur, en tout cas. C'est ce qui vous rend fragile dans n'importe quel domaine. Hein. On est d'accord hein, que ce soit par rapport à un voyage, que ce soit par rapport à l'installation ensemble dans une nouvelle maison, euh, voilà, de, de, le fait de démarrer tout simplement une nouvelle relation, c'est un peu ça de toute façon. Donc il y a une notion de, de, de d'être sur la même longueur d'onde. Harmonie et intérêt, pour moi, c'est le fait d'avoir cette même longueur d'onde, d'être avec quelqu'un qui va euh, comprendre ce que vous ressentez et inversement, bien sûr. Donc, quelqu'un qui va vous apporter autant que vous lui apportez. Vous voyez, c'est vraiment ce côté équilibre que je ressens. Donc, peut-être, euh, on sent, on y... bah, évidemment, c'est au niveau de l'amour. Hein. Donc, on sent la réflexion, on sent... Euh... Mais on sent aussi euh, qu'il faut vous redonner la permission d'y croire et de, et de stabiliser tout ça, de retrouver cet équilibre pour pouvoir partir, faire ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce nouveau départ ensemble. Il y a le côté ensemble ici, d'accord Allez, on va prendre un dernier conseil pour le mois de mars avec l'oracle de l'âme. On va aller voir ce que votre âme vous conseille pour ce mois de mars. Erreur. Alors je ne sais plus pour qui c'était. J'ai déjà fait cette, je crois que c'est pour les Scorpions d'ailleurs, où j'avais déjà tiré cette carte. Euh, ici, effectivement, ce que cette carte vous dit, c'est que euh, l'esprit a souvent peur de faire des erreurs. Voilà, ça c'est clair. Il a envie d'être parfait, il a envie d'être que tout soit bien, euh, et, et c'est lui. C'est tout à l'heure je vous le disais, c'est votre esprit qui vous, qui vous. Qui vous fait ressortir vos peurs, qui vous dit non, c'est pas pour toi, ça, ça va pas marcher, t'es pas capable de. Euh, oui, voyez, c'est l'esprit, ça c'est l'ego. Et euh, du coup, il va s'installer, il va s'instaurer des règles pour essayer euh, de, de les suivre et, et, et de, de croire qu'il sera plus heureux en suivant ces règles. Euh, et du coup, ben, il n'a pas envie de faire d'erreurs, Donc il s'instaure des règles. Et c'est un peu à l'encontre de ce que l'on vous dit pour démarrer quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites. On ne doit pas se fixer de limites. Quand on, on commence un nouveau projet, on n'a pas à se fixer des limites. On doit rêver grand. Hein. C'est Oscar Wilde qui disait euh, Je vise toujours la Lune parce que même en cas d'échec, je vais atterrir dans les étoiles. Donc c'est tout à fait ça. Et là. Euh, un autre exemple, quand, il y a un, quand vous avez un, un enfant qui apprend à marcher, euh, bah forcément il va il va il va faire des erreurs dans ses pas euh, et du coup il va tomber, mais c'est pas pour autant qu'il se dit non c'est bon j'arrête je, je je vais pas je ne veux plus marcher. Il va se relever il va recommencer, d'accord. Et quand on va quand cette, quand l'enfant va tomber, on va pas aller le punir, on va pas aller, euh, voilà on va pas lui dire c'est pas bien euh, tu n'as pas réussi tu t'es qu'un nul, euh, vous voyez. Non, on va l'aider, on va l'accompagner et c'est peut-être ça euh, que ce tirage veut vous dire aussi c'est que vous allez être accompagné à vous relever, vous accompagner à, à aller plus loin à même si vous faites des erreurs, on va vous aider en fait à dépasser ces erreurs et aller plutôt vers la réussite d'accord on va vous encourager euh, et du coup bah, ça va vous redonner le courage, ça va vous redonner la motivation, ça va vous redonner la force nécessaire pour aller beaucoup plus loin. Euh, donc, la première chose à faire, c'est vous-même vous offrir de la bienveillance, de l'empathie quand vous faites une erreur. Ne vous condamnez pas. Ne, ne vous condamnez pas euh, immédiatement. Est-ce que vous vous jugez mal dès que vous, vous n'avez pas fait quelque chose C'est ça peut-être le fardeau aussi à porter. Si vous venez de démarrer une nouvelle entreprise, une nouvelle relation, euh, vous venez de, de, de choisir un nouveau projet, euh, bah, vous allez certainement faire des erreurs au début. Mais quel est le, euh, comment vous allez vous juger par rapport à ça Est-ce que vous allez dire non, mais c'est bon, c'est mort, c'est fini Ou alors est-ce que vous allez vous encourager à dire oh, allez, on va, on va essayer d'améliorer les choses, on va y aller D'accord Donc l'erreur, ça nous aide à grandir, à apprendre, à se rapprocher de nous-mêmes. Donc euh, euh, l'apprentissage des échecs, ça a bien plus ça a plus de bienfaits que le fait de vous critiquer tout le temps, donc soyez dans la bienveillance avec vous-même c'est ce que cette carte veut vous dire et puis ben, recommencez si vous avez besoin, déléguez si vous avez besoin, demandez de l'aide si vous avez besoin voilà, pour vous aider justement à avancer, osez prendre des risques aussi acceptez de tomber de temps en temps et puis relevez-vous et puis euh, félicitez-vous d'avoir essayé voilà, soyez indulgents avec vous-même bon, c'est ce qu'on veut vous dire ce mois-ci en tout cas ce sera peut-être le titre de la vidéo. Soyez indulgents avec vous-même. Soyez bienveillants envers vous. Ce sera peut-être le titre, ouais. Allez, je vous laisse là-dessus, les poissons. Euh, passez un bon mois de mars. Et puis, n'hésitez ben, pas à commenter. Euh, voilà. Ça peut aider aussi la communauté à, à grandir, à voir que ben, d'autres ont les mêmes expériences et, et à faire profiter de ces expériences aux autres. C'est bien. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous retrouve très, très vite. Restez positifs. À bientôt.